Yo, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait vraiment super plaisir. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore mis, n'hésitez surtout pas à mettre mon code créateur FinTechSBE dans la boutique Fortnite, c'est super important. Et bien sûr, bonne vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, si tu aimerais gagner un cadeau dans la boutique Fortnite, bah pour cela c'est vraiment hyper simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu lâches un petit pouce bleu. Et bien sûr, il va falloir me dire ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. C'était Fintex, je te souhaite une bonne chance. Allez, bonne vidéo. Ok, bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale simplement pour une toute nouvelle vidéo de glitch. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Cela me fera vraiment super plaisir et comme d'habitude, je vous invite à vous rendre dans la boutique Fortnite et de mettre mon code créateur FinTechSBE dans la boutique Fortnite. Ça fait vraiment super plaisir grâce à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo, aujourd'hui on va simplement tester un tout nouveau glitch sur Fortnite Battle Royale. Comme quoi on pouvait obtenir plus de 13 500 V-Bucks pour l'achat de 80€ gratuitement sur Fortnite Battle Royale. Du coup, simplement j'ai vu le glitch sur TikTok normalement tout à l'heure de fonctionner. Simplement, première étape, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans vos paramètres. Là, vous allez cliquer sur la petite tête qui est de Pino, vous allez vous mettre sur mon. Là, vous allez appliquer, vous allez faire retour, vous allez faire le bouton V-Bucks. Vous allez cliquer sur la case 13 500, vous allez faire acheter. Normalement, il y aura l'écran 2 pour payer. Là, vous allez faire retour, le bouton retour, c'est hyper important. Là, vous allez écrire ici un debug pour chasse. Voilà, en fait, là, ce que vous devez écrire, là, vous devez bien écrire debug pour chasse, comme quoi votre achat que vous avez acheté a été débugué. Là, vous allez envoyer, vous devez avoir ce message, vous devez être dans un canal pour envoyer un message, vous allez cliquer ici. Là, vous allez voir votre message qui va apparaître. Ce que vous allez faire, vous allez recliquer sur la case 13 500 V-Bucks. Là, vous allez cliquer sur 13 500, vous allez faire la case acheter. Là, il y aura encore un écran noir, vous avez juste à revenir, vous allez faire la case jouer. Là, vous allez partir dans vos paramètres, quai d'opinion, vous allez vous mettre sur lui, c'est hyper important. Vous allez faire la case de retour, là, vous allez faire la cause, hein, choisir le mode de jeu, c'est hyper important. Là, une fois venu, vous avez juste à cliquer sur le mode de sauver le monde, vous allez attendre le chargement. Pour les gens qui n'ont pas sauvé le monde, vous avez juste à cliquer sur le mode créatif. Ce que vous allez faire après, vous allez venir dans votre casier. Là, vous allez sélectionner aucun skin, c'est hyper important. Ouais, vous allez sélectionner ce skin-là. Là, vous allez faire sauvegarder et quitter. Vous allez revenir dans la boutique. Là, vous allez voir le pack samouraï de classe qui sera là. Si vous n'avez pas encore acheté. Là, vous allez cliquer sur la case 13 500 V-Bucks. Vous allez revenir. Là, vous avez juste à faire le bouton retour. Après, après ça, ce que vous allez faire, vous allez retourner dans votre casier. Après, normalement, vous devez bien avoir un skin aléatoire, c'est hyper important. Ce que vous allez faire après, vous allez faire ici dans vos paramètres, vous allez faire dans quel de pneus, vous allez vous mettre sur nom. Là, vous allez faire réinstaller l'onglet. Simplement après, vous devez bien avoir le bouton oui, c'est hyper important. Vous allez revenir, là, vous allez faire sauvegarder. Là, vous avez juste à faire choisir le mode de jeu. Là, vous allez attendre le chargement. Là, vous allez revenir sur le mode Battle Royale. Vous allez attendre le chargement du mode Battle Royale. Après, normalement, sur le mode Battle Royale, vous devez avoir ce skin-là, le skin Alémorator que vous avez choisi juste avant. Vous allez revenir dans la boutique d'objets. Vous allez faire la case sauter dans un créateur. Là, vous allez mettre mon créateur FinTechSBE. Vous allez accepter. Là, vous allez revenir dans votre casier. Là, vous allez voir que vous avez un autre skin. Ça veut dire que vous venez juste de bugger Fortnite. Du coup, ce que vous allez faire après, vous allez cliquer sur la case 13 500 V-Bucks. Là, ce qui nous compte à faire, c'est juste de bugger l'achat des V-Bucks. Là, vous pouvez bien voir que j'ai un autre skin et là, que là, j'ai un autre skin. Vous avez juste à faire une emote. Du coup, là, vous pouvez bien voir que j'ai bien le skin. Là, vous allez refaire encore des bugs. Vous allez envoyer votre message. Vous allez attendre le chargement, que votre message apparaît. Vous allez cliquer sur paramètres. Votre message de debug doit bien apparaître. Vous avez juste à faire choisir le mode de jeu. Vous allez attendre le chargement. Là, vous allez cliquer sur le mode Battle Royale. Vous allez attendre le chargement du mode Battle Royale. C'est hyper important. Une fois venu sur le mode Battle Royale, vous devez bien avoir votre skin que vous avez ici dans votre casier. Vous allez cliquer sur V-Bucks. Là, vous allez à l'achat de 13 500 V-Bucks. Du coup, je suis le tuto à la lettre. Là, vous allez faire choisir le mode de jeu, c'est hyper important. Vous allez cliquer sur le mode Battle Royale. Et là, vous avez juste à attendre le chargement.
Et simplement, vous attendrez un deux jours avant que Epic Games voit votre message et que vous mettez tous vos V-Bucks. Du coup, voilà. Après là, ce que vous devez faire, vous devez partir là. Là, vous allez faire signalement et retour. Là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas, boutique casier. Les V-Bucks que j'ai achetés n'apparaissent pas. Vous allez cliquer dessus. Là, vous allez faire continuer et vous avez accepté votre message. Simplement maintenant, vous devez attendre un à deux jours avant que Epic Games voit votre message. Là, vous allez faire farmer. Vous devez attendre un à deux jours avant que Epic Games voit votre message. Du coup, je suis tout le tuto à la lettre. Du coup, venez me follow sur mon compte Instagram pour que je vous montre si le tuto, si le glitch de V-Bucks, il a fonctionné ou pas. Du coup, là, on a 250 V-Bucks. C'était Fintex. En tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale, on a testé un tout nouveau glitch, vous aura plu. Allez, ciao tout le monde.